الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، فقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فاللهم اجعلنا منهم. آمين. فحياكم الله جميعا أحبتي في الله، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل الذي جمعني معكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أردت بعون الله عز وجل أن أتكلم عن موضوع، والله موضوع هو بالأهمية في المكان، وموضوع في نفس الوقت له خطورة، وخاصة في هذا البلد الذي نعيش فيه. فأحبتي في الله، أردت أن أذكر أمرا. أولاً، كما تعلمون، فكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. فهناك دين واحد لا ثاني له، فكل من يقول أن اليهودية والنصرانية أو حتى ولو تكلم عن دين آخر يقول أنه وحي سماوي فهذا خاطئ. فالدين عند الله الإسلام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة ودينهم واحد. فلما قال الله عز وجل للخليل إبراهيم صلوات ربي عليه وسلم، إذ قاله ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فالحواريون الذين كانوا مع عيسى عليه السلام هم أيضا مسلمون، واشهد بأن مسلمون، ويوسف عصرا مسلم، وكان نوح مسلما أيضا، وكل الأنبياء والآيات كثيرة في هذا الموضوع، ولن أطيل فيها إن شاء الله تعالى. Je vais essayer de résumer la situation. Excusez-moi, je vais essayer de parler plus en français pour passer le message. Vous savez que la première des choses que j'aimerais rappeler, je vais essayer de parler d'un sujet qui est extrêmement dangereux pour ceux qui l'ont vu. Le titre était très simple: peut-on réformer l'islam en France? Je le répète parce que ça peut choquer beaucoup: peut-on réformer l'islam en France? Mais j'aimerais commencer par le fait de rappeler juste un point extrêmement important, c'est que la seule
l'unique religion que Allah a révélée du haut de ses cieux, c'est l'islam. Inna dina inda Allah islam. La seule religion agréée par Allah est l'islam. Et tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, sont ou étaient des musulmans. Ibrahim était musulman, alayhi salam. Nuh était musulman, Isa était musulman, Moussa était musulman. Tous ces prophètes, du début, du premier jusqu'au dernier, sont venus avec une seule religion qui est l'islam, le fait d'être soumis à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est christianisme ou judaïsme, comme beaucoup le disent, ce sont des révélations qui sont descendues du haut des sept cieux. C'est faux. Ce sont des religions qui ont été inventées, et qui n'ont pas été rêvées. Donc la seule religion qui est agréée par Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Ça, c'était la première des choses avec laquelle je voulais commencer et rentrer dans le sujet. Il y a, vous le savez, quelques-uns qui ont commencé à vouloir réformer l'islam en France. Moi, ça ne m'inquiète pas. Vous savez pourquoi ça ne m'inquiète pas? Parce que Allah protège sa religion. Wa Rabbil Ka'ba, Allah protégera sa religion. Simplement, nous, en tant que musulmans, on ne peut pas se taire. Ahibbati fillah. فالحرب على الإسلام قد أعلنت لما وقف رسول الله عليه الصلاة والسلام متكلما مع قريش على الجبل. La guerre contre l'islam a commencé le jour où le prophète salawat wa rabbi wa sallam est monté sur le mont et il leur a parlé. Et là où Abu Lahab lui a dit Ali hada jama'atana tabban laka sa'ir al-yawm. فاقتص الله لرسوله عليه السلام. Quand Abu Lahab avait dit, c'est pour ça que je vous ai rassemblé, que tu périsses toute la journée. Hein? Allah l'a protégé, s'est vengé pour son envoyé. En révélant tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalatu ou hammalata fi riwayat Hafs. حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فاقتص الله لحبيبه لنبيه ولرسوله صلوات ربي وسلم. الله s'est vengé pour lui que Abu Lahab s'est monté contre lui en l'insultant. Alors, dernièrement, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a commencé, ça fait beaucoup de bruit en France, il faut qu'on soit instruit. Pourquoi? Pour que chacun parmi nous, en tant que musulman, du nord au sud de la France, de l'est à l'ouest, qu'on ne se taise pas. On veut, soi-disant, réformer l'islam en France. Alors je vais parler avec deux choses. قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقوال العلماء. Je vais parler, قال الله, le Coran, la Sunna, et qu'est-ce que les savants disent? Avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Cette fameuse conférence, rappelons-le, veut avoir comme but de réformer cet islam. C'est quoi donc réformer? Vous savez, quand vous ouvrez le dictionnaire, c'est quoi réformer? Réformer a comme explication, c'est de changer, d'améliorer. Changement ou amélioration. Donc je prends cette définition, je la mets sur l'islam. Donc je veux changer ou améliorer l'islam. On leur dit deux choses. Soit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ramené la vraie révélation, soit tu viens pour compléter ce qui est mieux. Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux changer? Le problème, c'est que nous, en tant que musulmans, on se tait. Et on laisse passer les choses. Alors, quelques-uns se basent sur des avis tels que Shatibi Rahmahullah. Sur un très beau livre qu'il a fait, qui s'appelle Al-Muwafaqat, en parlant de Maqasid al-Sharia, les buts de la législation. De la législation, on parle ici musulmane. Et en montant sur Ibn al-Qayyim, en montant sur des savants
ou même sur Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Alors c'est quoi, on se base? On dit que Omar ibn Khattab radiallahu anhu avait, vous le savez, pendant Am al-Majara, l'année où il y a eu la sécheresse, la famine, il avait dit, on ne coupe plus les mains du voleur quand il vole. On dit que Shatibi rahimahullah est pour qu'on puisse changer ahkam al-sharia, les principes de l'islam. Je vais essayer de l'expliquer parce que beaucoup ne comprennent pas des termes techniques. Je vais essayer d'expliquer le plus que possible pour que tout le monde comprenne parce qu'il ne faut pas prendre ceci à la légère. C'est notre religion. Tu n'as pas. Et je n'ai pas plus cher que ça. والله اقولها لكم محبه في الله واعلنها امامكم والله فاني احبكم في الله احبتي في الله je vous aime en Allah azza wa jalla. Et on ne peut pas laisser des égarés, et je mesure mon mot, venir dire on va réformer l'islam pour les musulmans en France. Comment tu peux venir? En fait, quand ils te disent on va réformer l'islam, on veut te dénuder de tes principes. Le hijab n'est pas obligatoire, on te dit. Le hijab, on te dit qu'il n'est pas obligatoire, il faut que la femme, et vous l'entendez en France depuis maintenant plus de 10 ans, on aimerait vous faire croire que le hijab n'est pas une obligation. Or, le hijab est une obligation. On va vous faire croire, on veut vous dénuder en fin de compte, comme ce qui se passe avec les chrétiens. On veut vous dénuder de votre islam. On veut nous dénuder de nos principes islamiques pour que ça disparaisse, parce que ça dérange en France. Ça dérange énormément, vous le savez très bien. Alors qu'on appelle juste à une chose, le respect de nos valeurs et de nos principes islamiques, sans violence, sans insulter, ce sont des valeurs. Mais bien sûr, on vous fait avancer qui? Le docteur Foulan, le docteur Antel, spécialiste en islamologie, on vous invente des petits mots. Mais quel docteur? Un docteur, une fois, est sur le fin de Jazeera, il est assis en disant Fi surat al-Ramz. Et le chir devant, en face de lui, mais quelle surat al-Rams? Fi surat al-Rams. Quelle surat al-Rams? On ne connaît pas, il y a 114 surat, il n'y a pas surat al-Rams. Non, surat al-Zumar. Al-Nuqtat al-Zayd al-Hafra. Et on te dit, le docteur, mais c'est comme ça, l'Amma d'Yana, dans les musulmans, quand en France, c'est comme ça, on a l'Amma, le grand public, le docteur Antel. Wallah, et que tu ne m'impressionnes pas du tout avec ton doctorat de je ne sais pas quoi. L'imam de telle ville, de la grande mosquée de... Quelle grande mosquée? Et c'est comme ça qu'on est en train de vous amener qui? Nous, min jildatina. Wallah, hunaka unas, kama akhbarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hunaka unas, lahum juthmanu ins wa qulubu shayatin. Ils ont le corps des humains et le cœur de shayatin. Ce sont les gens qui vont venir et qui vont nous égarer. هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. Ils font partie de nous. Ils parlent notre langue. On ne vous ramènera pas un homme musulman pour vous dire que l'islam c'est ça. Même si aujourd'hui, vous trouvez des philosophes qui vous parlent de l'islam. J'en ai connu quelques-uns, il est en face de toi, ils te parlent de l'islam. Mais quel islam? On veut même vous enlever la sunna en vous disant que dans la sunna, il y a le da'if. Il y a le maudour, il y a le faible. Il y a le hadith qui est inventé. Donc on va prendre que le Coran. Ce qu'on appelle Al-Qur'an Lyon. Ceux qui veulent qu'en islam, la sunna disparaisse. On ne peut pas faire disparaître la sunna. As-sunna tu'ahibati fillah. Fahiyya taqririya. Elle vient pour, un, expliquer le Coran. Hada min aqwal ulama. As-sunna, elle vient expliquer le Coran. Elle vient le compléter. Oui, je dis le compléter, elle vient... Le corroborer, je répète, l'expliquer, le compléter et le corroborer. Par exemple, dans le Coran, après mes salats, tu fais la prière. Mais dites-moi, du début du Coran jusqu'à la fin, où est-ce qu'il est dit comment faire la prière et comment et combien de rak'a pour chaque prière? C'est dans la sunna qu'on trouve ça. Al-manasik pour les compléter. Al-sunna, c'est elle qui l'explique en détail. Al-zakah. As-sunna, tu ne peux pas l'enlever. As-sunna est une révélation. Parmi des gens, ils veulent vous enlever la sunna. Et on veut aujourd'hui vous dire, yajibu alayna an nughayyir al-ahkam bi ikhtilaf al-zaman wal makan.
Il faut qu'on change les prescriptions islamiques avec le changement de l'endroit, du contexte dans lequel on vit et avec le temps. On change l'islam, ils veulent vous changer. Et on se bat sur des savants de renommée, je l'avais dit. Chaque rahmatullah, pour revenir à ce qu'il a dit, rahmatullahi alayhi. Ils vous disent, le prétexte qu'il donne, c'est lequel? C'est qu'il dit, par de maqasidu al-sharia. Les buts, les finalités de cette législation. Parce qu'en même temps, la législation a été révélée, l'imada, les masalih al-ibad, pour le bien des serviteurs. Oui, tout à fait, exactement. ولكن ماذا قال الشاطبي رحمه الله في الأحكام الشرعية tout ce qui est prescription islamique lui-même il dit رحمة الله عليه أن هذه الأحكام أحبتي في الله فإنها مضطردة بعمومها وثابتة غير زائلة ولا متبدلة غير زائلة ولا متبدلة les prescriptions islamiques sont là ils ne changent pas ils sont immuables quand tu jeûnes شهر رمضان c'est شهر رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم لعلكم تتقون Le mois du Ramadan, c'est Ramadan. Et vous savez, il y a quelques temps de ça, quelques années en arrière, ils ont commencé à dire, mais la prière du vendredi, mais on va la remettre le samedi. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, ça fait plus de 10 ans de ça. Le Jumu'a, puisque les gens travaillent le vendredi, ben on va le leur faire le samedi. Ben c'est le Shabbat, en fin de compte. La femme, ce n'est pas la peine de mettre le hijab. Et regardez comme, je ne le citerai pas de nom, comme il y a des groupes, même en France aujourd'hui, qui veulent ramener l'islam aux gens. Tu ne ramènes pas l'islam aux gens, c'est les gens qui vont vers l'islam. Tu ne leur facilites pas. Quoi donc? Parce que la femme doit être épanouie à l'école, mais puisque à l'école, on ne peut pas effectivement amener la femme avec son hijab, elle a le droit d'enlever son hijab. Quel droit? Puisque Allah lui a révélé au décès. C'est Wallah, je nous dis. À tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui regardent. Wallahi al-hijab shar'ullah. Wa lan yubaddala ila an yarisa Allah al-ardha wa man 'alayha. Le hijab est une obligation qui ne changera jamais. Wa lamma harrama Allah ar-riba. Et quand Allah a rendu le riba interdit, wallahi que c'est haram d'acheter une maison à crédit. Et on te dit qu'en Europe, en France, on peut changer la prescription pour pouvoir. Habati fillah. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وشاهديه وكلهم سواء كما قال عليه الصلاة والسلام الله أمودي وما هي اللعنة اللعنة هي الطرد من رحمة الله على قول العلماء c'est le fait d'être éloigné de la clémence d'Allah عز وجل celui qui mange le sûr celui qui l'a fait manger les deux témoins et celui qui écrit le contrat والعياذ بالله sont tous pareils et sont maudits par Allah عز وجل comment on peut venir dire qu'on peut faire un ijtihad parce qu'on est en France, on est en Europe, alors que nas huwa nastun qat'i. Nastun qat'i. Naqulu qala Allah wa taqulu qala Sheikh Fulan. Fahada ma qala Ibn Abbas radiyallahu anhu, yushiku an yursal alaykum hijara. Ana aqulu lakum wa kan yaqulu hadha lis-sahabi radiyallahu anhum. Ibn Abbas, les gens disaient, qala Abu Bakr et Umar, wa ma adrakum Abu Bakr. وما أدراكم ما عمر رضي الله عنهما أبو بكر الخير رجل بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعمر رضي الله عنه فارق هذه الأمة لما كان الصحابة يقولون قال عمر قال أبو بكر غضب ابن عباس ابن عباس est mis en colère et leur dit mais des pierres vont être envoyées sur vous comment vous pouvez dire que Omar a dit Abu Bakr a dit malgré que c'était parmi les meilleurs des hommes sur cette terre. Il leur dit, vous dites que Omar a dit, Abu Bakr a dit, et moi je veux dire, qala Allah, wa qala Rasulullah. Quand on peut prendre la parole d'un compagnon pour le hadith est authentique, comment tu peux mettre le verset du Coran à côté quand un simple mortel d'aujourd'hui vient te dire que le riba est halal, que le hijab peut ne plus être obligatoire? Comment on peut changer l'ahkam? On ne peut pas. Et on a menti sur Shatibi.
On a menti sur Ibn al-Qayyim. On a menti sur même Ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Ibn al-Qayyim n'a jamais dit dans son texte que, parce qu'il a parlé juste de Al-Fatwa, doit être donné dépendamment du contexte et de l'endroit et du temps. Mais ce n'est pas comme eux le comprennent, mais jamais Ibn al-Qayyim, rahimahullah, n'a dit qu'on donne un avis juridique en allant à l'encontre du texte qui a été révélé. الاجتهاد لا يجوز عندما يكون هناك نص قطعي. Quand il y a un verset du Coran et quand il y a une sunna qui est authentique, tu n'as pas le droit de faire l'ijtihad. C'est pas moi qui le dis, ce sont les savants qui le disent. Je prends le cas, je prends un titre d'exemple. Chez le Malikiya par exemple. Chez le Malikiya. Regardez Malik rahimahullah, vous savez qu'il donnait la fatwa comme tahlil, le fait de faire entrer l'eau entre les doigts, n'est pas une obligation. Dans une halaqa, c'était Malik. Malik, un de nos grands savants, rahmatullahi alayhi, quand il a fini le cours, il y a un qui était poli, il est venu le voir, il lui dit, mais dans ceci, il y a une sunna. Il lui cite le hadith, et Malik lui dit oui. Et depuis ce jour, Malik, rahimahullah, a changé son avis juridique, parce que Nas était là. Le texte est là. Hatta les savants ont dit, iza sahha al-hadith. C'est le hadith, il est authentique. Vous jetez ma parole contre le mur. Et on vient vous parler de réformer l'islam en France. Wallah, je prie Allah qu'il les guide. Fallah mahdihim ya rabbal alamin. Et on ne peut pas se taire. Wallah, hadha dinuna. Wa sanudafi'u alayhi illa an yarith Allah al-ard man 'alayha. Qu'on défend la religion. Et Wallah, je dis une chose. Allah n'a besoin ni de toi, ni de moi, ni d'aucun humain sur cette terre. Allah défend sa religion. Simplement, toi et moi, qu'est-ce qu'on fait pour montrer à Allah cette jalousie qu'on a dans le cœur par rapport à cette religion? Comment on peut laisser? Comment tu peux laisser ta fille, ton enfant vivre? Ils veulent que d'ici 20 ans, 30 ans, 50 ans, que les principes islamiques disparaissent. Parce que ce qui gêne en France, et on le dit en toute sincérité, on le dit, mais sans peur, c'est cette visibilité que les musulmans commencent à avoir. Mais comment tu peux avoir un ennemi, un islamophobe, sans le citer, mais venir dicter aux musulmans, l'un des plus grands ennemis des musulmans en France, pour ne pas dire de la terre, et qui montre aussi aux vies de tout le monde qu'il est islamophobe et ennemi des musulmans? Comment je peux laisser venir réformer ma religion? Celle qui a été révélée dans le 7 cieux, inna dina indallahi al-islam, et pervers que tu viens toi devenir cheikh aujourd'hui? فحسبنا الله ونعم الوكيل أقول قولي هذا واستغفر الله لكم واستغفروا إنه التواب الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أحبتي في الله والله فالوقت ينبسط مني تحت أقدامي وتلخص إن شاء الله تعالى. Le temps passe très vite et j'aimerais juste résumer. Wallah, ça me tient beaucoup à cœur. Pendant ces 10 dernières années, quand on voit tout ce qui se fait contre, moi je ne dirais pas contre l'islam. Parce que l'islam, Wallah, je suis rassuré, je dors tranquille, je dors. Je vous l'ai dit, je le rappelle, l'islam, Allah le protégera. Wallah, Allah protège sa religion. Moi, ce qui m'inquiète, c'est nous les musulmans en France. C'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. C'est cette umma de 1 milliard et demi sur cette terre. Et qui aujourd'hui, cette umma, al-mahbouba, al-maymouna, kuntum, khayra ummatin, ukhrijat linnas, limadha, ta'muruna bil ma'ruf, vous étiez la meilleure umma qui était suscitée aux gens. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf, vous appelez au bien. وتنهون عن المنكر vous vous opposez au blâmable, au mal. وتؤمنون بالله et vous croyez en Allah. Pourquoi cette umma se tait? Pourquoi cette umma n'œuvre pas? Pourquoi notre umma? Wallahi, ne le prenez pas mal. Wallahi, أقول مرة أخرى, Wallahi, أحبكم في الله. فأنتم أحبابي, أنتم إخواني, vous êtes mes frères, ne le prenez pas mal. Mais quand ça ne va pas chez nous, il faut qu'on le dise. Pour se lever, agir pour sa religion. Et je pose la question. Entre le dernier vendredi aujourd'hui, qu'est-ce que tu avais pour ta religion? Qu'est-ce que tu avais pour la mosquée dans laquelle tu viens prier? On est plus de 1000 ici,
Masha'Allah, Rabbi Ber, qu'est-ce que tu as fait? Tu laisses un philosophe islamophobe te dicter ce que ton fils va faire dans 30 ans? Tu laisses un ennemi qui combat l'islam au su et au vu, et aujourd'hui bien sûr, la libre expression contre l'islam et les musulmans, قل تكلم ولا تخف, parle et n'aie pas peur. Contre l'islam et les musulmans, n'aie pas peur. Et vous savez, on nous fait, quand on parle nous comme ça, on nous intimide. On nous met en garde à vue pour se taire. Et voilà, Rabbi Kaaba, qu'on ne se taira pas. Et que si, quand on voit les meilleurs des hommes qui ont laissé leur vie, nous on ne dit pas qu'il faut faire des bombes, pas pour exploser, non, nous avec une éthique musulmane. إِنَّمَا بُعِثُمْ لِأُتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Je n'ai été envoyé que pour compléter les nobles caractères, le bon comportement. Mais contre l'injustice et une fermeté, non. Moi, c'est mon droit de prier. C'est mon droit que ma fille porte le hijab. C'est mon droit que je puisse faire mon hajj. C'est mon droit de pouvoir jeûner. Tu ne me l'interdis pas. Parce que l'islam yuharabu laylan wa nahar. L'islam est combattu. Mais moi, je me dis, je ne m'inquiète pas. Ce sont les musulmans qui sont passifs et qui dorment, mais qui ne font pas grand-chose pour leur religion. Un exemple très simple, ici un mot. Une seule mosquée, qu'Allah vous la bénisse, et qu'Allah vous bénisse, et qu'Allah bénisse votre famille, votre temps, votre argent. Qu'est-ce que tu fais pour la mosquée? Pour que l'autre mosquée, comme je l'ai pu le voir, masha'Allah, qu'elle puisse être, incha'Allah ta'ala, embellie, agrandie, pour qu'il puisse avoir, قال الله وقال رسول الله هذا ما هو أغلى ما عندنا وقال الله وقال رسول الله قال الله هذا القرآن الذي إذا أنزل على جبل لرأيته كيف لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا C'est ça qui a fait ramener la Oumma ou les communautés les pires. On était fort, on est devenu faible. On était savant, on est devenu ignorant. On était honoré, on est devenu humilié. Savez? Ce n'est pas la faute de l'autre, c'est ta faute et c'est ma faute. Moi, je vais finir juste avec juste une histoire. Je finis avec, il y en a tellement, une histoire à l'époque de Sahaba radiallahu anhu. Je finis juste avec ça. Vous savez, Héraclius. Vous savez, entre Rome, les Byzantins, et entre les musulmans, quand il y avait les guerres, entre autres à l'époque, la Perse et Byzance, les Romains étaient les puissances mondiales à l'époque. C'est l'équivalent des Américains aujourd'hui. Et les musulmans étaient peu. Héraclès était étonné, il disait aux soldats, mais pourquoi ils vous gagnent ces musulmans? Est-ce qu'ils sont plus nombreux que vous? Les soldats disent non, nous ne sommes plus nombreux qu'eux, eux ils sont peu. Et voilà qu'il كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Un petit groupe gagne un grand groupe avec la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Non, nous sommes plus nombreux. Et Héraclès encore, il leur dit, mais est-ce qu'ils ont des armes qui sont au-dessus des vôtres? C'est pas une question d'armes. Non, il disait, nous, nos armes sont plus puissantes que celles des musulmans. Et un homme, un vieil homme, se lève, un sage, il dit, Héraclès, est-ce que je peux parler? Il dit, takallam. Regardez la réponse qu'il lui donne, qui manque à la Oumma aujourd'hui. C'est pas les armes. C'est pas les satellites. C'est pas ce qu'on pense. Il lui dit, le sage, نحن أي الروم
نزني ونشرب الخمر. Nous les Romains, on fornique et on boit de l'alcool. وهم أي المسلمون يصومون النهار ويصلون الليل. Et eux les musulmans jeûnent le jour et prient la nuit. Jeûnent le jour et prient la nuit. Et والله moi le premier فرطت في ديني وفرطت في حق المسلمين. والله moi le premier les péchés que j'ai. Et je me dis tu n'as qu'à ce que tu mérites. Et والله je me dis que si ces ennemis t'humilient, ça من عندك, ça vient de toi, je me dis. Et que la Ummah s'est éloignée de son Coran et de sa Sunna. Ne prie plus, fornique, mange l'usure, devant les matchs de foot. Quelle victoire vous voulez qu'on ait? Quelle victoire? Ouman nasru illa min indillah. La victoire n'est même que d'Allah. Mais il y a une condition, cette victoire. Ya ayyuha alladhina amanu, in tansurullaha, yansurkum, wa yuthabbit aqdamakum. La condition, tu veux la victoire? Fais vaincre la cause d'Allah, Allah te fera vaincre. Mais nous, amasser l'argent et vivre pour dunya, ça c'est devenu malheureusement une finalité. Ils ont devenu comme l'écume de la mer. Je prie Allah qu'il nous guide, moi le premier. Wallah, thumma wallah, moi le premier. Wa rabbi al-Ka'ba, wa rabbi al-Ka'ba, Allahumma ahdini ya arhamar rahimin, wa ahdini ajma'in ya rabbal alamin. Fallahumma thabbitna ala dinik, fallahumma ahdi hadhihi al-umma al-maymuna, fallahumma ummatu habibika alayhi salatu wassalam, فاللهم اجمع بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا بالمحبة يا أرحم الراحمين، اللهم لا تجعلنا نتحاسد ونتباغض. فاللهم وحد هذه الصفوف، اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم احشرنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تخزنا يوم القيامه، اللهم لا تخزنا يوم القيامه، اللهم انصر الاسلام المسلمين، اللهم انصر الاسلام المسلمين يا ارحم الراحمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا، اللهم اهد والدينا، اللهم اهد ابناءنا وارحم والدينا، اللهم هؤلاء الشباب، اللهم هؤلاء الشباب، اللهم اهدهم الى الطريق المستقيم، اللهم اهدهم واهد بهم، اللهم اهدهم واهد بهم يا ارحم الراحمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بارك الله. ملك يوم الدين
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.